Yo les gars, c'est Mauvais Dièse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, avant qu'on recommence, je tenais juste à vous dire un truc. C'est que dans la vidéo précédente, à la fin, il y a eu un freeze. Et du coup, j'ai dû recommencer en off. Mais vous savez quand on était rendu au bateau là, ou qu'on devait charger le bateau, mais sans le... ne pas le couler. Fallait juste l'agresser et l'aborder. Et ben en fait j'ai fait juste ça, et après il y avait la sauvegarde. Donc vous allez juste louper l'abordage, c'est pas grand chose. Bon allez, fini de bavarder, on y go. Alors ouais, toujours ça. C'est parti. Toujours, toujours. Les petits chargements qui met du temps. J'espère que vous allez bien, vous, en tout cas, moi tranquillo. Hein. Toujours un plaisir de jouer à ce jeu avec vous. Sauvegarde, sauvegarde. C'est parti. Ici à Anticosti, la mer est dangereuse, capitaine. Nous devrions renforcer le Morrigan avant d'aller plus loin. Il y a une capitainerie non loin d'ici. Pourquoi ne pas y investir notre butin? J'ignorais qu'il y avait une confrérie en Haïti. Eh si. François McKendall en est le maître. Il recrute presque tous ses assassins parmi les marins. Des esclaves en fuite et leurs descendants, c'est ça? Ouais. Quand t'as le bateau, casse-toi à côté de moi, là. J'ai une vie de forçat pour périr dans un séisme. Mais... Haïti est une colonie française. Bien sûr. Ici, les assassins aident le roi Louis, mais en Haïti, les esclaves que libèrent les assassins sont la propriété des Français. Notre lutte va au-delà des frontières politiques. C'est ici? Je ne vois que des pêcheurs et leur matériel. Oui, percé et surtout dévolu à la pêche. Mais nous pourrons y faire le nécessaire. Les Français sont venus les premiers, mais le roi Georges grappille du terrain tous les ans. Les locaux sont pris en tenaille. Carguez les bonnes. Allez! Allez! Il ferait mieux d'avoir de l'argent en poche. Personne ne m'attend avec une bourse. Glacial, cet homme. Alors, amélioration de navire. Vous pouvez améliorer votre navire auprès du capitaine de port. Pour cela, il faudra des ressources qui s'acquièrent en effectuant diverses activités, abordage, pillage de camps, d'avant-poste, capture de colonies. De colonies, je sais pas, j'ai dit une connerie. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Acheter. Acheter l'amélioration. Alors. Protection de coque. C'est-à-dire. Bon, on va acheter la protection de coque déjà, ça a l'air pas mal. Mortier. Je vais acheter ça. Puis ça sera tout. Merci pour votre confiance, capitaine. Pas de problème, mon ami. Il faut remettre le cap sur Anticosti, capitaine. Certes, le chasseur attend notre arrivée. D'ici à Anticosti, la mer est dangereuse, capitaine.
Mais le Morrigan semble assez résistant pour tenir. Bien sûr qu'il est résistant. Toute la toile, il peut le supporter. Larguez les huniers, les cacadois. Les cacadois, merde, les cacatois. Non. Des conneries, quoi. Encore des pêcheurs de percée. Attention, Shay. Ces eaux brouillent d'ennemis. Navire ennemi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ils tirent sur les pêcheurs qui naviguent dans leur eau. Ces nages vont le payer. Regardez ça. Ils nous bloquent la route dans le sud. Que diriez-vous de tout ce que vous envoyez par Shay, sur une fois, il se trouve que je suis de ton avis. Il finit par arriver. Mourez, bande de pigeons! Tu te fais la malle, toi? Demi-tour. Alors poursuivons. Nous devrions arriver en vue d'antipostier. Ami l'espion nous attend sur place. Oui. Et on se casse. Il obtient de nouvelles informations sur le manuscrit. Il nous le présentera peut-être sur un plateau d'argent. Peut-être suis-je l'empereur de Rome. Ave César. L'air salé, le ciel à perte de vue. Les marins sont sans nul doute les plus libres des hommes. Intéressant, intéressant. Nous avons une mission à accomplir. Ne l'oublie pas. Mais à quoi bon défendre la liberté si on ne peut pas en profiter? Il me suait que ce petit rafio. Ils sont bien implantés, sans doute. Je me sentirai libre qu'après les avoir chassés. Je ferais pas mieux d'aller leur parler directement plutôt que de rester à rôder dans l'ombre. Mais t'es pas au courant que je m'en bats un peu les couilles de toi. Alors tu t'écrases sous leur pomme. Wouah. Bon allez, tu me saoules toi. Et nous bien sûr ne sommes pas tous. Voilà. Je sais pas c'est qui l'a buté. Allez, on navigue, accélère toute la voile. Les cacadois, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et avec de la chance, il saura où trouver ce fameux manuscrit. Allez, on ralentit. Attention, c'est un gros grain, capitaine. Shay, amarre le navire. Nous sommes arrivés à destination. Serrez les voiles. Sur l'air. Ne perds pas de temps, Shay. On se retrouve au fort. On court, on court, on fait que ça de courir. Alors, Louis-José,
jeter un œil à ceci. J'ai prélevé ces plans sur un navire de ligne de la Royal Navy. Intéressant. Ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Bien. Des armes plus puissantes nous seraient utiles. Le chasseur, je vous présente notre associé, Shay Cormac. Messieurs... Shay Cormac. Sur ce même navire, j'ai aperçu votre manuscrit. Il est écrit dans un langage exotique que je n'ai pas reconnu et il regorge de croquis. Des plantes, des animaux tout droit sortis d'un rêve. Pas de schéma, ni de carte. Non. Il contient peut-être une sorte de code, mais ni moi ni le Rosebif ne l'avons décrit. Où est ce manuscrit à présent ? L'homme qui le détenait se disait l'envoyé d'un certain Washington. Je connais ce nom. C'est un Templier de premier plan, n'est-ce pas ? En effet. Lawrence Washington a des ambitions que les Templiers ont su exploiter. Shay, nous devons le trouver. Merci à vous, monsieur. Bon, bah c'est parti. Est-ce que j'y vais à pied ou en bateau ? Attends, c'est où ? Pas la carte ? Faut pas l'afficher la carte ? Ah voilà. On est où là? Et où le point d'interrogation? Ah oui, il faut y aller en bateau. Allons chercher le navire. Merde, je t'ai pas demandé de monter. Allez, on roule, Abdul. Je crois que c'était la barre ici. Où allons-nous maintenant? Jusqu'au terrier de ce fourbe de Washington. Liam, je découvre ton vrai visage, langue de vipère. Un templier doublé d'un politicien, l'allié du genre humain. Bien. Levez l'ancre. Bon, pas grand-chose avec ces espèces de brouillards. Nous sommes des assassins, tout comme lui. Il est plus expérimenté, il connaît plus la rage. C'est pour Désolé si vous entendez des voix derrière. Ma mère au téléphone. Il me donne aussi des ordres quand nous sommes au domaine. Pourquoi se croit-il supérieur à moi? Tu dois le respecter, chef. C'est lui qui devrait me respecter. Je me bats pour la cause autant qu'un autre. Tu te bats deux fois plus. Mais là est toute la différence. Le chevalier prend le temps de réfléchir avant de passer à l'acte. C'est le privilège de l'expérience. Et quelle somme d'expérience dois-je encore engranger avant d'avoir le droit de faire mes propres choix? Je te jure, Liam, il m'arrive de me sentir moins adulte que quand nous étions enfants. On dormait à même le sol, et on volait notre nourriture, mais on était maître de nos actes. Bon, ils nous suivront, mes couilles. C'est derrière, pourquoi tu m'as fait faire demi-tour? What?
D'accord, ok. Désolé. J'apprends, les gens, j'apprends. Allez, je suis bourré. Coup de pression, coup de pression, coup de pression. Sauvegarde. Magnifique. River Valley, juillet, j'ai pas vu la date. Allez, moi je mets des coups de pression. Envoyez toute la toile. Eh ben donne-la moi. Les alliés assassins ont une cargaison ici, capitaine. Réduisez la toile. Je m'en marre comme une grosse merde, moi. Pas que j'oublie, j'ai des pistolets. Hein. Lancer la mission. Les Templiers veulent comprendre la nature de ces reliques. Leurs espions ont consulté bien du monde à New York. Ils ont également posé des questions à de nombreuses tribus. Ils ont beau montrer ce manuscrit à tout le monde, nul n'en comprend l'écriture, ni même les images. Mais nous avons un nom. C'est Lawrence Washington qui a envoyé le manuscrit. Lawrence Washington, homme d'affaires, politicien de Virginie et templier de haut rang. Ah oui, j'ai appris qu'il était revenu des Caraïbes. On a vu son majordome récupérer un curieux paquet. Ce paquet ne tardera pas à lui être livré. Shay, découvre ce qu'il contient, remonte jusqu'à Washington. Quand tu l'auras trouvé, renseigne-toi. Je prépare le Morrigan. Ok. T'as perdu ta force ou quoi? Le capitaine Cormac reprend la barre! Si le destin le veut, ce navire nous conduira jusqu'à lui. Je crée ma propre chance, Liam. Et celle de Washington va bientôt tourner. Localiser la cargaison. Bon, on va se balader. On voit rien! Le voilà. Oui. Le voilà. Plus personne ne fait le moindre bruit. Lawrence Washington est homme d'affaires, esclavagiste. D'accord, il faut pas les déglinguer. Moi je déglingue tout, moi je suis un ouf. Bon, apparemment faut juste les suivre. D'après ce qui était marqué. Moi je sais pas, moi je suis un barbare.
Vous savez quoi, les gens? Oui. Vous savez quoi, les gens? On va se laisser ça là pour cet épisode. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la suite, quoi. Bon, comme d'habitude, les gens, pouce vert si vous avez aimé. Commentaire si vous avez des suggestions à me faire part sur ce let's play, quoi. Et puis on se retrouve très vite.